Ce matin, notre thème, c'est « Sous la houlette du Saint-Esprit ». Sous la houlette du Saint-Esprit. La première lecture nous montre ce que deviennent les hommes et les églises qui sont sous la houlette, sous la mouvance, sous la guidance du Saint-Esprit. N'oubliez pas que après Pâques, ça c'est très important que les catholiques retiennent. Après Pâques, nous lisons chaque jour les actes des apôtres jusqu'à la fin. Enfin, on n'est pas attentif. Nous méditons sur les actes des apôtres. C'est-à-dire que deviennent les hommes et les femmes qui ont cru au ressuscité, qui ont reçu le Saint-Esprit. C'est ça. C'est-à-dire ce que doit être l'Église. C'est ça toute la méditation. Quelle est la transformation que le ressuscité par le Saint-Esprit apporte à l'Église, aux croyants? C'est Pâques. Jésus est ressuscité. Et Jésus, quand il ressuscite, il promet le Saint-Esprit, il envoie le Saint-Esprit. Alors, maintenant, pendant tout ce temps ici, toutes ces semaines, nous sommes en train de méditer sur les actes des apôtres. Première lecture, actes des apôtres. Première lecture, actes des apôtres. Je ne sais pas si vous êtes attentifs. Maintenant, la lecture d'aujourd'hui, à travers la première lecture, nous voyons ce qui arrive à ceux qui sont sous la conduite, sous la mouvance, sous la guidance du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui arrive? Que deviennent les hommes et les femmes qui sont conduits par l'Esprit-Saint? Premier point. Sans être hypocrite, ils tiennent compte des autres, surtout des plus faibles. Nous l'avons vu. Depuis mercredi, nous méditons sur le Concile de Jérusalem. Le Concile de Jérusalem a déclaré que la circoncision n'est pas une obligation pour le chrétien. Et pourtant, dans la première lecture, l'apôtre Paul soumet Timothée à la circoncision. Timothée, sa maman était juive, son papa grec. Alors du coup, alors qu'on lui rendait un bon témoignage, Timothée est un incirconcis, mais qui a un bon témoignage. Bon, maintenant tout le monde savait que comme son père est grec, donc il était incirconcis. Maintenant, Paul a besoin de ses services. Paul, quand il va prêcher, il va avec Timothée. Et il y a des critiques. Non, Paul se promène avec Timothée, un incirconcis. On se demande comment ils ont fait pour découvrir ça. Bon, enfin, ils se sont seulement dit, comme il vient d'un père grec, c'est qu'il est incirconcis. Parce qu'il était aussi de mère juive. On pouvait dire peut-être, par sa mère, il est passé par la circoncision. Mais tout le monde en parlait. Alors, Paul, c'est lui à qui on a remis les lettres. Il devait aller dire, non, voilà, plus de circoncision. Soumettez les païens à ce strict minimum. Interdit alimentaire, les deux interdits ici. Et puis, interdit sexuel, pas d'union illégitime. C'était tout. Mais on dit dans le texte que Paul va faire circoncire Timothée pour tenir compte des juifs de la région. Alors, Paul, pour tenir compte des juifs, fit circoncire Timothée. Malgré le concile de Jérusalem, qui a déclaré inutile la circoncision pour les chrétiens venus, pour les chrétiens tout simplement. C'est ça pourquoi j'ai dit, sans être hypocrite, les chrétiens, ceux qui sont sous la houlette du Saint-Esprit, tiennent compte des autres, surtout des plus faibles. Ce n'est pas de l'hypocrisie, tenir compte de l'autre, que je ne l'induise pas en erreur, que je ne le scandalise pas. Alors j'évite ça. Timothée, fais-toi circoncire pour éviter de scandaliser les juifs de la région. Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, ici même on dit que c'est lui, il le circoncit. À cause, bon, enfin, on suppose qu'il l'a fait circoncire parce que quand même, Paul n'était pas médecin. Bon, on dit, il le circoncit. Donc le texte dit, il le circoncit. Hein? Bon, en fait, je ne pense pas que ce soit qu'il est circoncis. Il le fit circoncire. Amen. Donc, j'ai dit ici, cette attitude nous rappelle la solution générale donnée au conflit par Paul en Romains 14, 15 et en 1 Corinthiens 8, 9, 10. Quelle est la solution? Le chrétien est libre. Le chrétien est libre. Mais l'amour, la charité exige de lui qu'il respecte l'opinion des faibles. Qu'il respecte l'opinion des scrupuleux, qu'il évite de les scandaliser. Ce n'est pas un péché. Mais ce que tu fais là,
scandalise les gens. Alors, évite-le pour leur bien, pour que ceci prie. Comme j'ai dit, donc, tu vois l'exemple, tu es une jeune fille, tu t'habilles, toi tu trouves que tu n'as pas d'autres mauvaises intentions. Tu portes ce pantalon-là, tu portes cette jupe-là, tu n'as aucune mauvaise intention. Mais s'il s'est fait que ton habillement séduit les gens, les scandalise, il y a des gens qui ne prient pas à cause de cet habillement. Ne t'entête pas, ne dis pas, c'est leur problème. Que la charité te pousse à dire, voilà, par charité, je ne porterai plus cet habit parce que cet habit scandalise mes frères, scandalise mes sœurs, les empêche de croire, les empêche de prier. Même un papa, il y a une chevelure. Par exemple, un jeune homme ici qui déciderait d'avoir des locks. Bon, ce n'est pas un péché. Il n'y a pas une écriture qui dit un chrétien ne doit pas avoir ou faire des locks. Mais si tu en as, il y a des gens qui seront scandalisés. Dans chaque société, il y a un standard, un habillement standard, une manière de parler standard. Alors, si tu vas au-delà de ces standards, tu scandalises. Alors, il y a des faibles, c'est vrai que ce n'est pas un péché. Mais ici, le texte nous apprend qu'il faut tenir compte des faibles. Les faibles seront scandalisés. Même si, par ailleurs, il faut aussi aider les faibles à grandir. Mais ils ne vont pas grandir maintenant. Il faut les aider. Comme Paul, tenir compte d'eux. Dis à ton voisin, tiens compte de nous les faibles. Tu es libre, tu peux t'habiller comme tu veux, mais tiens compte des pauvres faibles qui sont au milieu de nous. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux rester chez toi comme les vieux papas. Les choses aussi ont changé. Hein? On avait des vieux papas là, ce n'était pas un problème à l'époque. Hein? Un vieux papa qui sort de sa maison avec un panier, torse nu. Au sujet de la liberté, Paul dit, l'un fait une différence entre le jour. Un autre les estime tous égaux. Que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. C'est lui qui fait une distinction entre les jours, les faits pour le Seigneur. Et c'est lui qui ne fait pas de distinction, les faits aussi pour le Seigneur. C'est lui qui mange de tout. C'est pour le Seigneur qu'il le fait, puisqu'il exprime sa reconnaissance à Dieu. C'est lui qui ne mange pas de tout, le fait aussi pour le Seigneur. Et il est reconnaissant envers Dieu. Donc, Paul coupe la poire en deux en disant, bon, vous êtes libre. Il y a un jour, on dit, tel jour, il faut les respecter. C'est lui qui les respecte. S'il le fait pour le Seigneur, gloire à Dieu. Si l'autre ne les respecte pas pour la gloire de Dieu, gloire à Dieu, il n'y a pas de problème. Au sujet des repas, celui-ci mange en rendant grâce, en se montrant reconnaissant envers le Seigneur. Gloire à Dieu. Celui-ci refuse en disant, le Seigneur me l'a interdit. Gloire au Seigneur. Vous êtes libre. Mais au moins, faites-le que ce soit pour le Seigneur. Au sujet du scandale, le même Paul dit, mais si pour un aliment, ton frère est contristé, tu ne te conduis plus selon la charité, tu es libre. Mais si pour un aliment, ton frère est contristé, ne va pas avec ton aliment faire périr celui pour qui le Christ est mort. Tiens compte de l'autre. Ce n'est pas un péché, mais ce que tu fais là, le rend triste, la triste. Comme ce que tu fais attriste ton frère, ne le fais plus. Ne va pas avec ton aliment faire périr celui pour qui le Christ est mort. Ne va pas pour un aliment détruire l'œuvre de Dieu. Tout est pur, assurément, mais devient un mal pour l'homme qui mange en donnant du scandale. Ce qui est bien, c'est de s'abstenir de viande et de vin et de tout ce qui fait buter ou tomber ou faiblir ton frère. Romains 14, 20 à 21. Mais il faut bien comprendre, hein, ce qui fait tomber mon frère, c'est ce qui, dans la loi, est considéré comme mauvais. Par exemple, prenons le cas, s'il y a quelqu'un qui n'est pas content parce que toi, tu as un véhicule, donc tu dois renoncer à ton véhicule. Non, ça, c'est ton problème. Hein? C'est-à-dire qu'ici, c'est par rapport au mal, ou à ce qui est considéré comme mal, à ce qui est considéré comme péché. Le christianisme a fait un pas. Avant, il fallait passer par la circoncision. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a montré que la circoncision n'est rien. Alors, c'est par rapport à ça. C'est par rapport à ces questions-là. Des questions considérées comme morales, comme spirituelles. Parce que la haine, c'est quelque chose d'inexplicable. Quelqu'un peut te haïr parce que tu manges la viande ou parce que tu manges les feuilles de manioc. S'il te hait, il te hait. Même si tu dis, bon, maintenant je ne mange plus la viande, je veux manger les feuilles de manioc, il va toujours te haïr. Parce que la haine, c'est quelque chose d'incontrôlé, d'irrationnel. C'est irrationnel. La haine n'a pas de logique.
Il est irrationnel. Parce qu'il ne faut pas confondre. Maintenant, on a dit qu'il faut tenir compte des autres. Ah, comme j'ai payé le poste téléviseur, le voisin s'est fâché, je ne l'allume plus. 1 Timothée 4, 4 à 5 nous aide encore à bien comprendre ce thème. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Et aucun aliment n'est à proscrire. Si on le prend avec action de grâce, la parole de Dieu et la prière le sanctifient. Voilà la solution. Paul va même plus loin. Il dit, mais il n'y a pas d'aliment comme tel qui soit mauvais. Prenez-le avec action de grâce. L'action de grâce, la parole de Dieu et la prière sanctifient le repas. Même quand on vous dit, non, ne prenez pas le sang. Paul dit, déjà, mais non, non. Tout ce qui est créé par Dieu est bon. Mangez le porc est bon, mangez-le. Il est créé par Dieu. Le chien est bon, il est créé par Dieu, mangez-le. Le chat, il est créé par Dieu, mangez-le. Tout ce que Dieu a créé est bon et aucun aliment n'est à proscrire. Si on le prend avec action de grâce, donc vous qui tuez les chiens là, mangez le chien avec action de grâce. La parole de Dieu et la prière le sanctifient. Sanctifie le chien. Ce qu'il dit sur le manger et le boire peut aussi nous guider sur l'habillement, la coiffure, le tatouage, la fréquentation de certains lieux et de certaines personnes. Voilà. Donc, Paul dit, nous pouvons nous habiller. Nous sommes libres comme chrétiens. Tu peux t'habiller quand tu as une bonne intention. Quand tu n'es pas mal intentionné, tu peux tout porter. Papa, tu peux te réveiller le matin et porter ton bagne torse nu. Tu peux le faire. Maman, tu peux porter ce collant-là. Même si ton corps n'est pas adapté à ce collant, porte quand tu n'as pas de mauvaises intentions. Maman, on peut te coiffer de n'importe quelle manière. Papa, on peut te coiffer de n'importe quelle manière. Tu peux te faire tatouer. Tu peux fréquenter certains lieux. Tu peux aller dans tel bar, dans tel autre bar. Tu peux le faire. Mais tiens compte des faibles. Les faibles seront scandalisés, auront des difficultés pour croire, pour prier, pour se concentrer. C'est comme quand tu es mal habillé. Tu es devant quelqu'un, toi la sœur là, tu as porté bras cassé, et tu es devant, il y a un frère à côté de toi, et toi tu lèves les mains, gloire, louange, ah, tu lèves les mains comme ça. Maintenant le frère qui est à côté, il ne voulait pas regarder, mais en priant, il l'a vu. Tu peux porter comme tu veux, mais tiens compte des faibles, c'est ce que Paul nous apprend. Premier, quand on a le Saint-Esprit, on fait ça. On tient compte des faibles, ils tiennent compte des autres, surtout des plus faibles. Tu peux faire tant de choses, mais tiens compte des faibles. Même si toutes ces choses ne sont pas interdites par Dieu, nous devons nous poser des questions sur leur impact sur la vie des faibles dans la foi. Quand on est sous la houlette de l'esprit, on se bat pour ne pas scandaliser les plus petits, les plus faibles dans la foi. Comme moi, comme je suis prêtre ici, moi je vais à une fête, une maman m'invite, mais c'est la veille, viens on danse, non? Moi, je ne danse pas. Je danse seul, si je veux danser. Quand on est sous la houlette de l'esprit, on se bat pour ne pas scandaliser les plus petits, les plus faibles dans la foi. Vous, vous êtes chrétien. Voyez votre pasteur, votre prêtre, il y a une fête. Oh, monsieur l'abbé, vous m'offrez la danse. Dansez entre vous. Vous êtes nombreux. Oh, les prêtres, viens danser avec moi. Maman, danse avec ton mari. Moi, je suis prêtre. Et tout ce que j'ai dit ici, danser, il n'y a pas de péché. Mais si cela peut scandaliser, évite-le. Fréquenter un bar, ce n'est pas un problème. Mais si cela scandalise dans le milieu où tu vis, évite-le. Aller dans un hôtel, bon, ce n'est pas un problème ailleurs. Mais si dans le milieu où tu vis, aller dans un hôtel a une mauvaise connotation, n'y va pas. Ne scandalise pas le plus faible. Toi, tu es fort, mais il y a quelqu'un pour ça, il peut perdre la foi. Évite de le scandaliser. C'est vrai qu'à un certain moment, les gens aussi doivent grandir. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas des péchés. Il ne faut pas s'exagérer. Comme je vous ai déjà dit ici, pendant le carême, bon, il y a des faibles qui, s'ils vous trouvent en train de manger, vous êtes fort. Vous pouvez dire non. En tout cas, aujourd'hui, Seigneur, j'ai faim. Seigneur, aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Je dois un peu manger. Tu peux manger. Toi, tu sais qu'il n'y a pas un problème. Tu as parlé à ton Dieu. Tu ne fais pas les jeûnes pour tel et tel. Tu peux manger. Mais il peut y avoir un petit là qui passe là, dont la foi s'est construite encore. Maintenant, il te voit, toi, tu manges pendant le carême. Il dit, ah! Donc le carême ici, on ne respecte pas. J'ai vu l'abbé manger, j'ai vu tel frère, tel papa manger, telle maman manger. Il sera scandalisé. Il peut grandir avec cette idée-là que le jeûne, on ne doit pas le respecter. C'est comme ici à l'église. Être assis, sortir tout le temps.
Les papas ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de scandaliser les enfants. Parce que dehors, là, il y a d'autres enfants aussi qui courent. Et on te voit, toi, tu es aussi dehors. Scandaliser, c'est pas seulement pousser quelqu'un à ne pas prier. Scandaliser, c'est pousser quelqu'un à ne pas bien croire. Faire de quelqu'un, par nos gestes, un mauvais croyant. Un mauvais croyant, c'est ça, scandaliser. Il devient un croyant médiocre à cause de ce qu'il te voit faire. Tu es à la messe, tout le temps tu sors. Tu sors, tu rentres, tu sors, tu rentres. Tu n'es pas concentré. Tout le temps tu as ton téléphone là devant, etc. Tu vois ça. Mais il ne va pas quitter l'église. Il va rester, mais en étant un mauvais catholique. Il est resté, mais comme mauvais catholique, parce que tu ne l'as pas édifié. Que chacun comprenne que par-delà le devoir de ne pas scandaliser, il y a l'exigence d'édifier. Oui, je ne scandalise pas, mais est-ce que j'édifie les gens? Je le disais encore hier. Est-ce que j'édifie? Est-ce que mon attitude ici peut aider quelqu'un à bien prier? Est-ce que ce que je fais ici peut amener quelqu'un à croire davantage en Dieu? Donc, tenons compte des autres, surtout des plus faibles. Toi, tu sais, on sait que tu as déjà grandi dans la foi. Tu as une certaine alliance avec Dieu. Il n'y a pas de problème chez toi. Mais le petit, le pauvre qui va avoir ça, comment il va l'interpréter? Comment il va le vivre? C'est ça la question. Ta coiffure, ton habillement, tes fréquentations, tes amis, tes causeries. Il n'y a pas de problème, mais ça scandalise quelqu'un. Ça ne l'édifie pas. Amen. Amen. Sous la houlette de l'Esprit Saint. Ceux qui sont sous la houlette de l'Esprit Saint, sans être des perroquets, ils transmettent fidèlement les décisions des apôtres et des anciens. Acte 16, 4. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. Il vient pour que les décisions entrent en vigueur, mais avant, il fait circoncire ou il circoncit Timothée. C'est-à-dire que ce n'est pas un perroquet. Il a une certaine souplesse, mais il transmet fidèlement. Le Concile de Jérusalem a clôturé ses travaux. Il faut maintenant vulgariser. Vulgariser, vulgus signifie foule. Rendre populaire, mettre à la portée de la foule. Vulgariser les décisions sans en rien retrancher, sans en rien ajouter. Je déclare, moi, à quiconque écoute les paroles prophétiques de ce livre, qui oserait y faire des surcharges. Dieu le chargera de tous les fléaux décrits dans ce livre. Et qui oserait retrancher aux paroles de ce livre prophétique, Dieu retranchera son lot de l'arbre de vie et de la cité sainte décrit dans ce livre. Apocalypse 22, 18 à 19. C'est lui et celle qui est sous la mouvance du Saint-Esprit, prend au sérieux cette recommandation dans sa pratique religieuse, mais aussi dans sa vie quotidienne. La Bible est claire que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel. Jérémie 23, 28. Ne mêlez pas la paille au froment. N'en rajoutez pas. Soyez des transmetteurs fidèles. Dites ce qu'on vous a dit. Dites ce que vous avez entendu. N'en rajoutez pas. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous faites un effort pour être une fidèle courroie de transmission. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. 2 Timothée 2, 2. Il faut transmettre l'évangile à des hommes fidèles qui sont aussi capables de l'enseigner aussi aux autres. Est-ce que tu es un transmetteur fidèle? Est-ce que tu transmets l'information telle que tu l'as reçue? Est-ce que tu fais un effort pour être objectif? Voilà ce qui m'a été dit. Voilà ce qu'il a dit. N'ajoute pas ton commentaire. Quand tu as le Saint-Esprit, tu veilles sur ça. Parce que par souci d'être cru, on en rajoute toujours. Parce que si tu rapportes une nouvelle telle que tu l'as reçue, les gens ne vont pas beaucoup te croire. Les gens croient aux excès. Les gens croient aux extrémismes. Mais quand tu rapportes sans excès, sans extrémisme, les gens ne te croient pas. Alors beaucoup sont obligés donc de mêler la paille au froment. Comme cette histoire-là que je vous ai rapportée ici, la femme et le pondeur, ou la femme du pondeur. Un homme qui est la nuit sur le lit avec sa femme, il s'écrie, « Oh ma femme, je viens de pondre. »
Je viens de pondre. Voici l'œuf que je viens de pondre. Oh. Mais ma femme n'en parle à personne. Parce qu'on va m'appeler le pondeur. La femme, dès qu'elle se réveille le matin, elle en parle à son voisin. Mon mari est un pondeur. Mais la fable dit que, avant que le soir n'arrive, la nouvelle était déjà répandue partout. Ce n'était plus un seul œuf, c'est devenu 3, 30, 40, 100. Parce que dire que cet homme a pondu, il a donné un œuf, c'est pas beau. Il faut en rajouter. Comme l'histoire que je vous ai racontée là. Un enfant est en classe, on lui pose la question, qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo? L'enfant dit, ce n'est pas moi. Oh. L'enseignant trouve drôle que l'enfant ait dit ça. L'enseignant va demander à son père, il va en famille, il dit, ton enfant, je lui pose la question en classe, qui a découvert l'embouchure? L'enfant dit, ce n'est pas moi. Le papa dit, mais alors, si ce n'est pas lui qui l'accepte, amen. Et quand il est en train de discuter là, le voisin voit ça. Le voisin appelle l'enseignant, qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai donné cours en classe et j'ai posé la question, dit, qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo? Il dit, il demande, comment ils ont répondu? Qui a découvert là? Il dit, non, non, pas. L'enfant dit, ce n'est pas lui. Le papa aussi a dit, le voisin a dit, c'est eux. C'est eux. Et puis, je le connais, moi, ça fait longtemps que je vis avec eux ici. Ils n'acceptent jamais rien. Maintenant, quelqu'un passait là, il a entendu la question. Alors, il entend, qui a découvert l'embouchure? C'est un aventurier, il crie, Diego Cao! Le voisin dit, ce papa-là s'appelle Diego Cao. C'est une petite histoire, mais comment nous avons la capacité de transformer les choses? Amen. Amen. C'est comme ça que nous sommes. Nous ne pouvons pas rapporter les choses telles. Et parfois, nous tombons nous dans le panneau. Hein, quand quelqu'un vient nous rapporter, alors qu'il a déjà mêlé la paille au froment, nous nous prenons et la paille et le froment. Or, tout celui qui parle a un intérêt. Comme il a son intérêt, il va soit retrancher, soit ajouter, selon son intérêt. Si son but c'est discréditer quelqu'un, il faut qu'il en parle, qu'il parle de l'autre là en mal. S'il veut le laver, il va un peu atténuer les choses. Non, vous voyez, c'était comme ça, c'était comme ça. Mais être fidèle, dire ce que j'ai entendu, dire ce qui m'a été rapporté, il faut avoir le Saint-Esprit. Est-ce que nous avons le Saint-Esprit? Nous sommes l'église de la Pentecôte? Nous sommes l'église d'après-Pâques? Est-ce que tu es capable de dire ce qui t'a été dit exactement, de faire un effort pour être objectif? Voilà ce qui m'a été rapporté. Voilà ce que je vous dis. C'est un effort qu'un chrétien doit déployer. Non, non, il m'a dit ça. Voilà ce qu'il a dit. Je n'en rajoute pas, je n'en retranche pas. Ce n'est pas seulement par rapport à l'écriture, hein, par rapport à la Bible. Oh, la Bible a dit, il ne faut pas ajouter à la Bible, il ne faut pas retrancher. Non, par rapport à la Bible, oui, mais par rapport aussi à la vie quotidienne. Rapporte seulement ce qui t'a été dit. Si tu te sens obligé de le rapporter, rapporte seulement ce qui t'a été dit. N'en rajoute pas. Les gens qui, sans être des perroquets, ils transmettent fidèlement les décisions des apôtres et des anciens. Alors j'ai dit ici, cette recommandation de ne rien ajouter, de ne rien retrancher, nous devons la vivre dans notre pratique religieuse, mais aussi dans la vie quotidienne. Maman, tu es restée à la maison, tu as eu des problèmes avec les voisins. Quand ton mari vient, rapporte seulement ce que les voisins ont dit. N'en rajoute pas pour que ton mari aille créer la guerre. On peut les frapper là-bas. Parce que beaucoup de femmes croient que comme leur mari les frappe, ils vont aussi frapper les voisins. Et toi aussi, papa, quand ta femme te rapporte discours des femmes, il faut toujours diviser. Les femmes que vous voyez ici, elles ont des haines entre elles à un niveau indescriptible. Amen. Les papas, bonjour. Voyez-nous comme nous sommes là. Nous ne regardons pas aux chemises des uns et des autres. Mais les filles entre elles, les femmes entre elles, elles comptent les habits. Aujourd'hui, elle a porté comme ça. C'est ça leur nature. Mais nous n'avons pas cette nature. Moi, si je ferme les yeux, je ne vois pas les chemises d'Adolphe. Mais une fille sait que telle a autant de robes. Déjà, il y a une photo sur Facebook qui circule. Hein, quand une femme regarde l'autre femme, et là, j'ai fait déjà les calculs. Souliers, là, c'est 30 dollars. Pantalon, là, c'est 20 dollars. Nous, on ne connaît pas les prix. Hein? On ne connaît pas.
femme rapporte des histoires sur l'autre femme. Papa, ne croyez pas d'abord. Elle a déjà mêlé la paille au froment. C'est déjà mélangé. Divisez ça par autant. Sauf si vous avez fait l'expérience que ma femme me rapporte les choses telles qu'elles sont. Parce que la femme peut rester là, dans le quartier avec le voisin ou la voisine. Elles ont eu des problèmes. La voisine l'a injurié, elle, ou a parlé en mal d'elle, de ta femme. Toi, tu es comme ça. Tu n'es pas une bonne femme. Mais quand la femme va raconter à son mari, mon mari, quand je suis resté ici, on nous a terminé la peau. Divise par autant. Elle a des problèmes avec cette femme-là. Parce que peut-être elle a porté une belle robe, elle a trouvé, c'est bien habillé, elle a bien arrangé ses cheveux. C'est pour ça qu'elle est fâchée contre elle. Ce n'est pas un autre problème. Même ici à l'église, hein, y a des filles ici qui ne parlent pas bien à leurs amis les jours où elles sont bien habillées. Donc tu es seulement bien habillée comme ça, tu viens, bonjour. Elle te répond mal, sure, parce que tu es bien habillée. Donc pour elle, elle veut que tu t'habilles toujours mal. Comme ça qu'elle reste la seule qui s'habille bien. Et puis ça, c'est être contre les commerçants. Si seulement toi qui t'habillais bien. Donc tu n'aimes pas les gens. Hein? Même les commerçants, tu ne les aimes pas. Si c'est seulement toi qui t'habilles bien. Donc les commerçants vont vendre comment? Il faut quand même que beaucoup de gens achètent. Donc il faut diviser tout ce qu'on nous raconte. Il y a une personne qui rapporte des histoires sur son ami. Divise. Ils travaillent ensemble. Divise. Ils se disputent le pouvoir. Un prêtre qui raconte des histoires sur son évêque. Divise. Il a peut-être des problèmes avec cet évêque-là. Un prêtre qui rapporte des histoires contre son confrère. Divise. Tu ne sais pas pourquoi il rapporte ça. Ils ont des problèmes. Mais toi, tu ne le connais pas. N'entre pas. Alors, je nous invite à avoir un esprit objectif. Quand on vous rapporte, divisez d'abord. Faites comme on a fait en histoire, en critique historique. Vous vous souvenez? Nous avons étudié la critique historique. On critique qui rapporte. Est-ce que c'est une... C'est pas une personne qui est... qui a des intérêts. Il peut être à la fois jugé parti. Divise. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Ah, donc, il a de ses intérêts sont en danger. C'est pourquoi il dit ça. Et nous, comme chrétiens, tu dis non. Voilà ce que... Même si c'est ton ennemi, c'est un pasteur, c'est un catholique, rapporte d'abord ce qu'il a dit. Les catholiques disent ça. N'invente pas. C'est ça aussi être chrétien. N'en rajoute pas, n'en retranche pas. Dis ce que les catholiques disent. Ils disent quoi à propos de la Vierge Marie? Eux disent qu'ils vénèrent. Toi, tu dis, non, non, vous adorez. Mais tu as ajouté? Nous, nous disons que nous vénérons. Critique la vénération. Regarde dans le dictionnaire, il y a une nuance entre adorer et vénérer. Non, la vénération, c'est l'adoration. D'après quel dictionnaire? Après ton dictionnaire à toi. Est-ce que toi, tu as déjà prié Dieu? Oh, Dieu vénérable. Tu dis, Dieu adorable. Oh, je vénère Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, nous passons à la vénération. Vénérons le Seigneur. Seigneur, nous te vénérons. Seigneur, parce que tu sais qu'il y a une différence entre vénérer et adorer. Si tu vas à l'église, on dit, aujourd'hui, nous passons maintenant à la vénération de l'Éternel. Vénérons-le. Je te vénère. Dans ton église, on chante comme ça. Je te vénère. Oh Yahweh, je te vénère. Je t'adore. Et tu sais qu'il y a une différence. Mais comme tu as des problèmes avec les catholiques, tu veux seulement confirmer ton idée que tu te fais des catholiques. En fait, beaucoup de gens ne critiquent même pas les catholiques. Ils critiquent leur propre idée qu'ils se font des catholiques. Ils ne critiquent pas les catholiques. L'idée qu'ils se font des catholiques, c'est cette idée-là qu'ils critiquent. Pas ce que les catholiques disent. Tu as déjà lu les catéchismes de l'Église catholique? Tu l'as déjà lu? Pas lire les catéchismes de l'Église catholique. Voilà ce qu'ils disent. Maintenant, c'est faux par rapport. Parce que dans le catéchisme, on te donne même les références bibliques. Mais regardez, la plupart des fois, quand vous critiquez avec les. Vous discutez avec les sectaires, vous pouvez donner des versets. Il n'est pas dans les versets. Hein? Ils ne sont plus dans les versets. Eux qui nous avaient dit, la Bible, discutez avec aujourd'hui, ils ne donnent plus de versets. Ils peuvent avoir un seul verset. Mais toi, quand tu lui donnes même 10, il n'est plus dans les versets, il change de sujet. Il commence à. Il tombe dans les attaques. Il s'attaque à des personnes. Non, voilà, les prêtres ont des femmes. Hein, et vous êtes des pédophiles, papa. Nous discutons sur la Vierge Marie. Terminons le débat. Nous allons aborder un autre jour la pédophilie ou quoi. Mais terminons d'abord le débat. Porte sur la Vierge Marie. J'ai donné les versets. Montre en quoi ces versets que j'ai donnés sont faux. Et puis, regardez-moi aujourd'hui. Vous suivez les enseignements, non? Sur les vidéos. Vous les voyez encore, les sectaires, donner les Bibles. La Bible déclare. La Bible. Ils n'en ont plus beaucoup. Hein. Ils peuvent prendre un verset. Et il développe ses histoires à lui. La Bible, donc, c'était un paravent, un prétexte. Parce qu'à l'époque, il disait, les catholiques. Et j'ai vu une belle phrase, hein, écrite par quelqu'un, je ne sais pas qui.
J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Il dit, la différence entre les catholiques et les sectaires, c'est que les catholiques se fondent sur la parole de Dieu, alors que les sectaires se fondent sur la Bible. À quelle profondeur! Parce que la Bible a commencé il y a peu. La Bible ne date pas de longtemps. Mais avant la Bible, comment les gens vivaient-ils? Ils vivaient de la parole de Dieu. Au commencement, était la parole. Dieu est plus grand que la Bible. Donc, ils ont dit en d'autres... cet homme-là a dit en d'autres termes, c'est comment j'ai dit, quand j'ai dit Dieu est plus grand que la Bible. Oui. Parce qu'il y a d'un côté la parole de Dieu et de l'autre côté la Bible. La Bible n'est pas toute la parole de Dieu. Parce que la Bible reconnaît qu'il y a des choses que Dieu a faites qui ne sont pas dans la Bible. Amen. Donc, rapportez ce que les gens disent. Faites un effort. Mon mari a dit ça, ma femme a dit ça, mon enfant a dit ça. Je rapporte d'abord fidèlement ce qui m'a été dit. Faites cet effort. Même si c'est votre ennemi. Non, en tout cas, il a dit ça. Non, ça, il n'a pas dit. N'ajoutez pas vos commentaires, votre analyse. D'abord, ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit. Alors moi, quand j'entends ça, je peux analyser. Ah, ça, c'est autre chose. Mais il a dit ça. C'est ça que nous avons étudié en classe. Hein. Que dit le texte? Compréhension du texte. Et il y a des gens qui, aux humanités, n'avaient pas beaucoup de points dans ce cours-là. Hein, en français, quand il fallait étudier la compréhension du texte, ils avaient des difficultés. Et ils en ont aussi dans la vie. Demande à ton voisin, quand on faisait la compréhension du texte, tu comprenais? Il y a des gens qui ont commencé à comprendre des textes, hein, quand ils sont devenus adultes. Ah, c'est ça qu'on avait étudié dans ce texte-là. Mais quand on avait étudié en classe, tu n'avais pas compris. Tu as des problèmes. Le corbeau et le renard, les animaux malades de la peste. Tu as étudié ça, ça portait sur quoi? Quelle est la leçon? Tu ne sais plus, tu ne sais pas. Tu n'as jamais compris ce texte-là. Les animaux malades de la peste. Toi, sans chercher les pleins pour les pleins, les chrétiens qui sont sous la houlette du Saint-Esprit s'affermissent et augmentent. Acte 16, 5. Les églises s'affermissaient dans leur foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Ce verset montre les deux niveaux de la croissance d'une église. Maturité et nombre, qualité et quantité. S'affermir dans la foi, c'est devenir plus ferme, plus solide, plus stable, plus mûr dans la foi. C'est cesser d'être un roseau agité par le vent. Matthieu 11, 7. C'est cesser d'être des nuées sans eau que les vents emportent. Arbre de fin de saison, sans fruits, deux fois mort, déraciné, houle sauvage de la mer, écumant sa propre honte. Astres errants auxquels les ténèbres épaisses sont gardées pour l'éternité. Jude 12 et 13. C'est ça. Hein? S'affermir, devenir ferme, devenir stable. Ah, ma foi est affermie. Ça, c'est un catholique affermi. Ce n'est pas un roseau agité par le vent. Vous venir avec vos enseignements là. Il ne bronchera pas. Il sait en qui il a cru. Il a rencontré Dieu dans l'église catholique. Il a fait l'expérience de Jésus-Christ. C'est un catholique affermi. Voilà l'œuvre de l'Esprit Saint. Former des chrétiens affermis. Et c'est ça le travail que nous faisons. Que vous soyez affermis. Que vous soyez mûrs dans la foi. Que vous soyez fermes. Que vous ne soyez pas des roseaux agités par le vent. On prêche comme ça, vous allez dans ce sens. Oh, ah, je ne comprends pas. Donc ça doit être ça. Quelqu'un s'élève là, critique la divinité de Jésus-Christ. Vous tombez dans son piège. Quelqu'un vient, critique la virginité de la Vierge Marie. Vous tombez dans son piège. Non, soyez des chrétiens affermis. Quand quelqu'un vient vers vous avec une discussion, qu'il soit le premier à changer de sujet. Il pose une question, vous lui répondez. Non pas avec un verset, mais avec 2, 3, 4, 5, 10 versets. Et lui, en matière de ça, et puis vous commencez par lui dire, hein, vous voyez, quand vous discutez avec un sectaire, hein, n'allez pas directement avec les versets. Vous donnez d'abord le verset. Vous donnez les versets comme ça. Hein, de mémoire. Vous les citez de mémoire. Comme si vous ne connaissez pas la référence. Dans la Bible, quelque part, il est dit. Maintenant, il va dire, non, c'est faux. Montrez les versets. Faites semblant comme si vous ne connaissez pas les versets. Et puis sortez-le en dernière minute. Parce que là, il a déjà parlé. Tu ne te vois pas dans la Bible. Là, tu trompes, etc. Et tu les laisses d'abord parler, et puis après, tu sors maintenant les versets. Quand il a déjà beaucoup parlé, déjà tu lui montres que tu ne connais pas la Bible. Il ne faut pas toujours aller, tu sors les arguments en premier. Garde les arguments. Parle comme quelqu'un qui connaît des textes de mémoire, comme si quelqu'un qui ne connaît pas les versets. Alors lui va profiter. Ouais, quoi, tu ne connais pas, etc., etc. Or, toi, tu as les versets. Quand il a beaucoup parlé, là, tu sors maintenant. La grande artillerie. Tiens! Là, tu l'as déjà eu. Déjà, sur le plan psychologique, il sait qu'il ne connaît pas. Nous avons besoin des catholiques comme ça. Comme une fois, quelqu'un m'a rapporté dans le bus aller à Lukalaba. Alors, dans le bus, il y avait une religieuse. Alors, un monsieur
assister à un débat là sur la foi catholique. Non, la religieuse s'y connaissait. Donc une religieuse qui connaissait la doctrine, qui expliquait bien, et les gens dans le bus convaincus, affermis, qui ont des arguments. Et il y a des jeunes qui viennent ici à l'église, ils sont forts dans d'autres, dans les bêtises, mais dans l'affermissement de la foi, que tu rencontres un jeune, tu dis, ah, ce jeune, il a grandi dans la foi. Il a maintenant des arguments. C'est un jeune qui peut défendre l'église. Il n'y en a pas beaucoup, hein? Affermi. Les églises s'affermissaient dans la foi. Et le nombre de leurs membres augmentait. Quand le Saint-Esprit est là, les chrétiens sont affermis et le nombre augmente. Augmenter pour une église, c'est vivre Marc 2:2. Marc 2:2. Et beaucoup se rassemblèrent en sorte qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. La croissance, c'est un processus normal dans l'église. Nous ne devons pas sacrifier la qualité sur l'autel de la quantité. Nous ne devons pas sacrifier la quantité au nom d'une qualité plus hypothétique que réelle. Par exemple, quelqu'un me dit, non, mais c'est la Bible, ici chez nous, nous ne sommes pas nombreux, mais nous avons la qualité. Quelle qualité? Quelle qualité nous avons? Et c'est ça. Même si nous avons la qualité. Imaginez, nous avons une église de 2000 personnes. Si nous sommes à 2000, ici nous sommes à 500. Hein? Plus ou moins, 500. La qualité, combien de chrétiens de qualité avons-nous, d'après tes estimations? 100. 100. Bon, maintenant si nous avons une église de 2000, nous allons voir quand même, hein, la qualité même de 200. Si nous avons 200 chrétiens de qualité, c'est mieux. Et puis l'église, ça doit augmenter. Nous devons prier. C'est ça qui va, vous voyez même les enfants à la maison. Alors, si Dieu envoie, ça va aider les autres. Augmenter pour une église. C'est vivre Marc 2:2. Et beaucoup se rassemblèrent en sorte qu'il n'y avait pas de place, même devant la porte. Même devant la porte, il n'y avait plus de place. Nous ne devons pas sacrifier la qualité sur l'autel de la quantité. Nous ne devons pas sacrifier la quantité au nom d'une qualité plus hypothétique que réelle. Parce que la qualité, comment on va l'estimer? On ne sait pas, c'est au fort interne. Ça, c'est Dieu. Mais nous travaillons à la quantité. Qui est la quantité? Travaillons à la qualité. Parce que nous, ce que nous voyons, c'est la quantité. La qualité, c'est Dieu. Mais nous travaillons pour qu'il y ait les deux. Et la quantité et la qualité. Nous devons donc prier, travailler, lutter pour avoir de nombreux chrétiens catholiques affermis. Mieux, nous devons d'abord affermir les fidèles que nous avons. Une fois affermis, ils travailleront à la croissance numérique de l'Église. C'est ce que j'ai fait ici depuis 7 ans. Travailler à vous affermir pour qu'à votre tour, vous puissiez évangéliser. Mais combien d'évangélistes j'ai dans mon église? Des gens qui gagnent les âmes. Nous avons plutôt des gens qui veulent les perdre, qui font tout pour les perdre. Sans être esclaves, ceux qui sont sous la houlette du Saint-Esprit sont empêchés et bloqués par le Saint-Esprit chaque fois qu'il le faut. Acte 16:6. Car le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Vous voyez? Donc le Saint-Esprit ne permet pas seulement, le Saint-Esprit empêche, le Saint-Esprit s'oppose. Le Saint-Esprit, tout en respectant notre liberté, peut nous empêcher d'annoncer la parole dans certains endroits. Il peut s'opposer à certains voyages missionnaires. Ce texte est beau et très interpellant pour nous. S'il le fait pour la proclamation de la parole de Dieu, le Saint-Esprit interdit, empêche qu'on annonce la parole dans la province d'Asie. Le Saint-Esprit s'oppose à ce que nous puissions atteindre, à ce que Paul et ses compagnons puissent atteindre la Bithynie. L'Esprit de Jésus s'oppose. Ça signifie que si Dieu s'oppose à quelque chose de bon comme la proclamation de sa parole, que ne fera-t-il pas pour le mauvais mariage, pour le mauvais voyage, pour le mauvais travail vers lequel tu te diriges? Que Dieu te bloque. Quand il voit que tu te diriges vers un mauvais mariage, que Dieu te bloque. Quand il voit que tu te diriges vers un mauvais voyage, que Dieu te bloque. Quand il voit que le Saint-Esprit te bloque, quand il voit que tu te diriges vers un mauvais travail, qu'il s'y oppose et les empêche. Que Dieu empêche ce mauvais mariage. Que Dieu empêche ce mauvais voyage. Que Dieu empêche ce mauvais projet. Saint-Esprit, pas seulement le Saint-Esprit qui permet. Permets-moi de bien me marier. Empêche. Si tu vois que ce mariage ne me rendra pas heureux, empêche-le. Oppose-toi à lui.
Tu demandes du pain, Dieu ne te donnera pas une pierre. Tu cherches le poisson, Dieu ne te donnera pas un serpent. Tu veux un œuf, il ne te donnera pas un scorpion. Matthieu 7, 7 à 11. Nous devons donc nous soumettre à la volonté de Dieu et non chercher que lui puisse se soumettre à nos volontés étroites et aveugles. Dieu peut s'opposer à mon mariage. Et c'est ça qu'il faut demander. Saint-Esprit, si ce mariage n'est pas bon, oppose-toi à lui. Saint-Esprit, si ce voyage n'est pas bon, oppose-toi à lui. Vous demandez au Saint-Esprit cela. Et quand vous êtes sous la houlette du Saint-Esprit, vous allez dire, je voulais faire. Parce que là, c'est quelque chose de bon. Hein. Une proclamation de la parole de Dieu. Pourquoi le Saint-Esprit refuse? N'allez pas en Asie maintenant. Attendez, vous irez après. Ah bon? Ah. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller prêcher en Bithynie? Non, n'y allez pas. Je vous dirai quand y aller. Le Saint-Esprit s'oppose aussi. Tu as des mauvais projets que le Saint-Esprit s'y oppose. Et puis, je vous dis, j'ai toujours prêché. Quand un enfant de Dieu veut se marier, sa prière ne doit pas être « Seigneur, que je me marie à tel. » Seigneur, si mon mariage avec tel ou tel autre n'est pas bon, n'entre pas dans ton plan, empêche-le. Empêche-le. Que Dieu te voie prier ainsi. Ne dis pas à Dieu, Seigneur, même si ce n'est pas lui l'homme de ma vie, oh Dieu, je te demande de forcer les choses pour mon bonheur. Si ce n'est pas lui, que ça échoue, que ça capote. J'ai fait un projet, je veux voyager. Seigneur, si tu n'es pas d'accord, fais échouer ça, que je ne voyage pas. Parce qu'on peut à un endroit vouloir t'empoisonner et toi tu vas là-bas tête baissée. Non, il faut que tu dises à Dieu, si tu vois que là où je vais, même une opération, on va intervenir chirurgicalement. Mais il y a des gens qui, on a fait l'intervention et la personne est morte. Que Dieu empêche. Parce qu'il y a des gens qui peuvent parfois vivre avec une maladie. Hein, de temps en temps, tu as des douleurs. Et puis ça passe. Mais tu vis 20 ans. Que Dieu empêche une opération. S'il voit que cette opération va t'amener à la mort, que Dieu fasse tout que cette opération n'ait pas lieu. Tu peux guérir sans porter des lunettes. Tu peux te donner des produits. Mais les médecins, ophtalmologues, pour eux, lunettes ou rien, surtout si lui-même les vend. C'est pourquoi on interdit aux médecins d'être aussi des commerçants. Parce que si le médecin fait le commerce, il vend les produits. Mais il va les prescrire en désordre. Mais aujourd'hui, les médecins ont violé ça. Comment? Avec les pharmaciens. Il y a des médecins qui vont là, les pharmaciens leur donnent des médicaments, leur donnent des calendriers, des agendas. C'est une corruption. Il faut que l'ordre des médecins puisse voir ça. Comment un médecin peut-il recevoir des cadeaux d'un pharmacien? C'est pour qu'il fasse la publicité des médicaments. Et ces médicaments, de ces produits-là. Ah non, moi, en tout cas, je te prescris tel produit, va prendre celui-ci. Parce qu'avec cette firme-là, on a des alliances dangereuses. Le chrétien aussi doit prier. Seigneur, je vais aller à Bonzol. Ah, est-ce que c'est ça? Que Dieu empêche. Amen. Le Saint-Esprit empêche. Il faut demander là. Il y a des mariages que le Saint-Esprit doit empêcher. Il y a des voyages que le Saint-Esprit doit empêcher. Il faut demander. Des choix que le Saint-Esprit doit empêcher. 5. Sans prendre la place de Dieu, ceux qui sont sous la houlette du Saint-Esprit ont des visions qui font d'eux des dieux. Acte 16, 9. Paul eut une vision pendant la nuit. Un Macédonien était là debout et il l'appelait. Traverse la mer pour venir en Macédoine à notre secours. Quand on est sous la mouvance de l'esprit, Dieu nous parle par des visions. Vos jeunes gens auront des visions. Joël 3:1. Et que voit Paul dans cette vision? Un Macédonien lui criant au secours, à l'aide. Un protestant pourrait voir d'un mauvais œil cette vision et cette demande macédonienne. Car d'après la Bible, le secours ne vient que du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Psaume 121, 2. Comment, dans un rêve, un Macédonien peut-il dire à Paul, viens à notre secours? Non, le secours ne vient que de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Donc, ce Macédonien devait dire, que Dieu vienne à notre secours. Comment le Macédonien a dit, dans la vision de la nuit, a dit à Paul, viens à notre secours. Beaucoup de non-catholiques opposés à nos prières à Marie et aux saints prétendent qu'on ne peut adresser des prières qu'à Dieu. Mais ce Macédonien, adresse-t-il une prière à Paul, oui ou non? Les Macédoniens, il dit quoi à Paul? Traverse la mer pour venir en Macédoine à notre Marie secours des chrétiens. Comment
Marie peut être le secours des chrétiens. Le secours des chrétiens, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Faux enseignements, mais ayant l'apparence de vérité. C'est ça vraiment le faux dollar. Le vrai faux dollar. Il y a qui donne l'impression d'être vrai, mais qui est faux. Ils disent non. On ne demande qu'à Dieu. On ne peut pas demander à des humains. Mais ici, un homme demande à un autre de lui porter secours. Dans la même veine, dans la même ligne. Élie dit à Élisée, demande, que puis-je faire pour toi avant d'être enlevé d'auprès de toi? Élie dit à Élisée de lui demander, demande. Et Élisée lui répond, que me revienne une double part de ton esprit. Ah bon? Donc Élie avait un esprit. Faire pour toi avant d'être enlevé d'auprès de toi. Et Élisée lui répond, que me revienne une double part de ton esprit. 2 Rois 2, 9 à 10. Élie dit à Élisée de lui demander ce qu'il veut. Ce pourvoir ne revient-il pas à Dieu? Demande-moi ce que tu veux, je vais te le donner. Ah, c'est Élie qui dit ça à Élisée. Pourquoi les églises de réveil ne se scandalisent pas sur ce point? Élie dit à Élisée, demande, que puis-je faire pour toi avant d'être enlevé d'auprès de toi? Et Élisée lui répond, que me revienne une double part de ton esprit. Pas de l'esprit de Dieu, de ton esprit. Les catholiques ne connaissent pas la Bible, se scandalisent. Ah, comment on peut dire, Marie, aide-nous. Marie, donne-nous. Marie ne peut pas nous donner. Celui qui nous donne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mensonge ayant l'apparence de vérité. Élie lui demande une double part de son esprit. Et non de l'esprit de Dieu. Et en 2 Rois 5, 8, le même Élisée dira au roi d'Israël de lui envoyer Naaman, le général syrien qui souffrait de la lèpre, en ces termes, qu'il vienne donc vers moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Il ne dit pas, il saura qu'il vienne vers Yahweh, qu'il vienne vers moi. C'est Élisée qui parle. Et il saura qu'il y a un Dieu, qu'il y a un prophète. Les églises de réveil. Dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus envoie ses disciples, il leur dit, guérissez les malades. Qui guérisse les malades? Qui guérisse les malades? Le sujet, si ce sont les disciples, hein? Guérissez les malades. Vous, les disciples, guérissez les malades. Donc, un malade peut dire, Pierre m'a guéri. Parce que Jésus a donné le pouvoir à Pierre de guérir les malades. Ressusciter les morts. Qui ressuscite les morts? Qui ressuscite les morts ici? Les disciples. Purifier les lépreux. Qui purifie les lépreux? Jésus leur a donné le pouvoir. Expulser les démons. Là, nous sommes tous d'accord. Tout le monde expulse les démons. Les démons, ce n'est pas Jésus. Là, c'est nous. Guérir, là, c'est Jésus. Mais expulser les démons, nous expulsons. Je te chasse au nom de Jésus. Vous ne lisez pas bien la Bible. Revenez à l'église catholique. Venez, retournez à l'église catholique et lisons bien la Bible. C'est dans l'église catholique que la Bible est bien lue, est bien comprise. Parce que l'église connaît l'histoire de la Bible que toi tu ignores. Matthieu 10, 8. Ce texte est clair. Ce sont les disciples qui guérissent les malades, qui ressuscitent les morts, qui purifient les lépreux, qui expulsent les démons. Car le pouvoir leur a été donné. Luc 10, 19. Et ces signes doivent les accompagner. Marc 16, 17. Remarquez que les apôtres font des miracles sans prière. Ils disent un mot et la chose arrive. Acte 9, 36 à 43. Acte 14, 8 à 18. Acte 21, 7 à 12. Ce sont des versets que je donne. Des apôtres qui font des miracles sans prier. Ils ont reçu le pouvoir. Ils utilisent simplement le pouvoir qu'ils ont reçu de Dieu. Les malades souhaitaient même que l'ombre de Pierre, pas l'ombre de Dieu, l'ombre de Pierre les couvre pour les guérir. On peut donc demander, adresser une prière, on peut demander à un homme, adresser une prière à un homme, sachant que le pouvoir qu'il a, lui vient de Dieu. C'est Dieu qui lui a donné le pouvoir de guérir, de ressusciter, de purifier, de chasser les démons. Alors, mais on demande à Dieu, tu as reçu, on demande aux hommes, vous avez reçu le pouvoir, priez pour nous. Non, comment on fait demander à Marie? Marie ne peut rien te donner. Oh, Élisée lui donnait la double part. Élie donnait la double part de son esprit. Il avait même un esprit qu'il donnait. Même Moïse, on dit, Moïse,
l'esprit qui était sur Moïse, Moïse va imposer les mains pour l'esprit de Moïse, pour que l'esprit de Dieu, on l'appelle esprit de Moïse. Évangile de Jésus-Christ, on appelle évangile de Matthieu, évangile de Marc, évangile de Luc, évangile de Jean. Loi de Dieu, on appelle loi de Moïse. Donc Dieu n'est pas à notre niveau là, nos jalousies bêtes, Dieu n'est pas là. Dieu est jaloux, mais d'une jalousie sage. Ce n'est pas une jalousie bête comme celle de ta femme, comme celle de ton mari. La jalousie de Dieu est fondée sur l'omniscience. Sur l'omniscience, Dieu sait ce qu'il y a en l'homme. Hein? Ce qu'il veut dire quand il dit ceci. Dieu sait. Sa jalousie n'est pas bête. Sa jalousie n'est pas aveugle. Un homme qui a le Saint-Esprit comprend aisément ces choses car il sait que nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Quand quelqu'un s'adresse par exemple à Marie, parce que les catholiques disent, oh non, on ne peut pas dire par exemple, Marie, donne-nous. Oh, on peut dire, si Marie est vivante, comme je crois, Adolphe me demandait, Monsieur l'abbé, donne-moi. Peut-être il a prié chez lui à la maison. Seigneur, aujourd'hui je vais demander à Monsieur l'abbé Blaise de me donner 10 dollars. Tu as déjà prié chez Dieu. Maintenant tu viens. Monsieur l'abbé, j'ai un problème. Est-ce que vous pouvez me donner 10 dollars? Tu me demandes à moi, après avoir demandé à Dieu. Mais quand je te donne, qui t'a donné? C'est Monsieur l'abbé Blaise. Mais Monsieur l'abbé Blaise n'est t'a donné que parce que Dieu le lui a donné. Et Dieu t'a. Mais ça, c'est un raccourci langagier qui n'exclut pas que le fait quand je demande à Marie, Marie prend la place de Dieu. Que non! Paul vient à notre secours. Non, c'est pas. Paul va vous secourir comment? Il n'est pas Dieu. Le secours ne vient que de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Mais ces Macédoniens demandent à Paul de traverser la mer et de venir les secourir. En fait, à travers le secours de Paul, c'est le secours de Dieu. Mais il n'y a pas de problème là-bas. Mais les sectaires s'embrouillent sur ce point-là. Mais ils ne s'embrouillent pas. C'est seulement le fait qu'ils sont contre les catholiques. Ils cherchent des points sur lesquels avoir quelques catholiques non affermis. Parce que dans leurs églises, vous entendrez. Donc, c'est un faux problème. Il crée de faux débats, de faux débats, des débats inutiles. Nous savons, quand je dis que c'est papa qui m'a fait étudier, je sais que derrière, là, c'est papa, là, c'est Dieu qui l'a aidé. Parce que quand, par exemple, nous écrivons nos dédicaces, hein, ou nos remerciements, nos avant-propos, quand quelqu'un écrit son mémoire, il dit, si c'est un chrétien, il y en a beaucoup qui commencent à dire, mes remerciements vont d'abord à l'Éternel, le maître des temps et des circonstances, et puis à mes parents, etc. Et attention, ne mettez pas les noms des fiancés. Parce qu'une fille que je connais avait écrit ça. Et mon fiancé, qui sera mon mari, le fiancé là, au moment où nous parlons, là j'ai épousé quelqu'un d'autre. Mais c'est resté dans le mémoire, c'est Alice Thème. Est-ce que vous avez compris ce point? Est-ce que vous avez compris ce point? Donc c'est un faux débat. Ah non! Mais l'homme dit dans une vision, traverse la mer, viens à notre secours. Or la Bible dit, les secours ne viennent que de l'Éternel. Donc cet homme-là s'est trompé. C'est un idolâtre. Il devait dire que l'Éternel t'envoie pour que tu viennes à notre secours. Des faux problèmes, des débats qui ne sont pas en Dieu. Dieu sait qu'il est Dieu. Marie sait qu'elle n'est que la servante du Seigneur, mais que Dieu a honoré en faisant d'elle sa mère. Mais Marie est à sa place, elle est vraiment à sa place. Et les catholiques ne lui ont pas donné une autre place. Elle est à sa place. Amen. Ceux qui sont sous la houlette du Saint-Esprit, sans tomber dans la victimisation, savent que la persécution fait partie de leur vie. Celui qui est sous la houlette de l'esprit n'a pas l'esprit du monde. Voilà pourquoi il est persécuté. Il doit donc comprendre que la persécution fait partie de sa vie. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un est destiné à périr par le glaive, il faut qu'il périsse par le glaive. Ainsi se manifeste la persévérance et la foi des saints. Apocalypse 13, 10. Ce verset mal traduit par Louis II. Écoutez comment Louis II traduit. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la loi des saints. Mauvaise traduction. On dit ici, si quelqu'un est destiné, c'est plus logique. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un est destiné à périr par le glaive, il faut qu'il périsse par le glaive. Ainsi se manifeste la persévérance et la foi des saints. Mais Louis II dit, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué. Mais alors la suite, c'est ici la persévérance et la foi des saints. Parce que ce texte est emprunté à Jérémie. Jérémie 15, 2. Jérémie 15, 2 dit quoi? Qui est pour la peste à la peste? Qui est pour l'épée à l'épée? Qui est pour la famine à la famine? Qui est pour la captivité à la captivité? Donc,
la traduction de la Bible de Jérusalem est plus proche, hein, parce que Jean qui écrit l'Apocalypse, l'apocalypticien qui écrit est proche, et il connaît les Écritures. Dans ce passage, l'auteur demande aux chrétiens d'accepter les persécutions qui, dans le plan divin, sont destinées à révéler et à perfectionner les saints. Normal, la persécution est positive. Elle montre que nous sommes un signe de contradiction et que nous n'avons pas trahi le Christ. Oui, tous ceux qui veulent vivre dans le Christ avec piété seront persécutés. 2 Timothée 3, 12. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, vous aussi, ils vous persécuteront. Ainsi donc, ça c'est Jean 15, 20. Ainsi donc, la question d'un vrai chrétien doit être: pourquoi ne suis-je pas persécuté? Et non, pourquoi suis-je persécuté? Ne te pose pas la question pour dire pourquoi suis-je persécuté. La question qu'un chrétien doit se poser: pourquoi ne suis-je pas persécuté alors que Jésus a dit: s'ils m'ont persécuté, vous aussi, ils vous persécuteront. Or, ils m'ont persécuté, donc ils vous persécuteront. Comme dans la vie, c'est quand il meurt. Quand il meurt, que les gens parlent. Mais quand il est vivant, les gens doutent. Parce qu'on a peur de l'encenser de son vivant, de peur qu'il ne devienne orgueilleux. Mais quand il meurt, je vous donne rendez-vous le jour de ma mort. Venez, vous entendrez des choses. Et vous, vous serez là, vous serez étonné. Ah, nous, la Bible faisait tout ça. Ah bon? Mais les gens ne disaient pas. Les gens ne disaient pas. Si tout pouvait se dire, vous pouvez se dire. Il a ressuscité le fils de la veuve de Naïm, on l'a tué. Il a ressuscité la fille de Jairos, on l'a tué. Mais alors nous, parce que tu as payé à quelqu'un une chemise, parce que tu as payé à quelqu'un les frais scolaires, tu voudrais qu'il fasse de toi un dieu. Non, comprends, c'est comme ça. Jésus est mort pour l'humanité. Et les gens n'ont pas été reconnaissants à son endroit. Ils l'ont tué. Alors c'est normal que toi aussi, quoi que tu fasses, si quelqu'un est mal intentionné, il est mal intentionné. Si quelqu'un aussi, quelqu'un de bien. Parce que Jésus, ce n'est pas tout le monde qui l'a rejeté. Il y a des gens qui ont reconnu. Amen. J'ai toujours donné les témoignages ici de l'abbé Malanze. L'abbé Malanze, de tous les jeunes que j'ai eus, en tout cas des jeunes pour qui j'ai fait plus, pour qui j'ai fait beaucoup. Mais Malanze, je l'ai aussi aidé un peu. Lui, il est reconnaissant à mon endroit parce que il a voulu, quand il était jeune, tout petit, il voulait être comme moi quand j'étais chef Kirou. Et il m'a suivi jusque. Moi, je suis devenu prêtre. Donc, il a dit, je vais devenir comme dirigeant Kand. Amen. Si tu décides de faire le bien, prépare-toi à l'ingratitude. Si tu t'es décidé à faire le bien, prépare-toi à l'ingratitude. De tous ces gens que tu aides, très peu se montreront reconnaissants. Jésus l'a dit aujourd'hui, s'ils m'ont persécuté, moi, j'ai ressuscité les morts. J'ai resté 3 morts. J'ai multiplié les pains. 5000 personnes ont mangé. 4000 personnes ont mangé. Il y a eu des restes. Mais on m'a tué. On m'a tué. Nu. On s'est moqué de moi. Maintenant, toi, parce que tu as donné un repas à quelqu'un, tu as payé le minerval à quelqu'un, tu crois que le monde entier doit être à tes pieds. Tu te trompes. Sois réaliste. Tu fais le bien, prépare-toi à l'ingratitude. Tu fais le bien, renforce ta capacité pour accueillir, recevoir l'ingratitude des humains. Peut-être les gens reconnaîtront tes mérites quand tu seras mort, mais de ton vivant, peut-être personne ne te rendra hommage. Mais le jour où tu mourras, puisque le bien reste bien, les gens en parleront. Le jour où tu mourras, le jour où tu partiras, tu manqueras à ces ingrats-là. Les ingrats-là, dans leur ingratitude, diront à celui qui t'aura remplacé: tu n'es pas comme tel qui faisait ceci et ceci pour nous. Mais aujourd'hui, quand tu le fais, tout le monde trouve que c'est normal qu'un grand frère puisse payer le minerval à ses petits frères. Que c'est un devoir. Il y a des grands frères qui ne payent pas le minerval à leurs petits frères. Même les enfants doivent être reconnaissants envers leurs parents. Ce ne sont pas tous les parents qui payent les frais scolaires pour leurs enfants, qui les habillent, qui les nourrissent. Ce n'est pas tous les papas, ce n'est pas tous les parents. Tu as des parents qui font cela, sois reconnaissant. Ce n'est pas tous les maris qui sont fidèles à leurs femmes, qui s'occupent de leurs femmes, qui les habillent, qui veillent sur elles. Ce n'est pas tous les maris. Pas toutes les femmes qui sont généreuses envers leurs maris, qui leur montrent d'amour. C'est pas. Mais
quand tu trouves quelqu'un de bien, garde-le bien. Quand Dieu met sur ton chemin quelqu'un de bien, garde-le bien. Vis bien avec lui. Les gens des biens vivront bien avec eux. C'est tout. Mais tu vois, cet homme, dans ma vie, il a fait quoi? Il m'a porté ceci, il m'a porté. C'est un homme de bien. Cette femme m'a porté ceci, c'est une femme de bien. Je vis bien avec les hommes de bien. Voilà l'enseignement, mes bien-aimés. Ils m'ont persécuté, vous persécuteront. Mais nous, toi et moi, qui faisons le bien, préparons-nous à l'ingratitude. Mais j'ai dit que au milieu de tous ces ingrats, Dieu suscitera même une personne reconnaissante. Mais nous faisons le bien. Et même les ingrats d'aujourd'hui deviendront reconnaissants le jour où tu partiras de cette terre, le jour où tu voyageras, le jour où tu quitteras ce poste-là. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut intérioriser. Le Seigneur dit, si vous avez le Saint-Esprit, comprenez ces choses et faites le bien. Ne vous lassez pas de faire le bien. Faites toujours le bien. Faites toujours le bien. Même si les gens sont... Faites le bien. Vous continuez à faire seulement le bien. Faites du bien à tout le monde autant que vous en avez la possibilité. Et puis d'autant plus que Dieu vous bénit. Parce que quand Dieu vous bénit, vous devez faire le bien. Quand Dieu vous bénit, faites le bien. Faites le bien. Ne fais pas pour te faire aimer. Fais parce que Dieu te les demande. Ils seront toujours ingrats. Quelqu'un qui ne t'aime pas, quoi que tu fasses, il ne reconnaîtra pas. Mais quelqu'un qui t'aime, des gens qui aiment Fatih, il lui accorde même des miracles qu'il n'a pas fait. Mais c'est ça. Non, mais parce que ces gens-là aiment Fatih, ils lui attribuent même des faux miracles. La même chose, si quelqu'un t'aime, il va même t'attribuer des faux miracles. Non. Que Dieu vous bénisse. Nous nous mettons debout. Nous prions. Première requête, Seigneur, merci pour la liberté que tu me donnes. Garde-moi de la transformer en libertinage et de scandaliser ainsi les petits, les faibles qui m'entourent. Seigneur, donne-moi d'être une fidèle courroie de transmission de ta parole et de celle de mes semblables. Seigneur, par le Saint-Esprit, fais-moi la faveur de contribuer à l'édification d'une communauté chrétienne affermie et nombreuse. Seigneur, oppose-toi à moi, à tous mes mauvais projets, à mes mauvaises rencontres, à mes mauvais choix, fais-les échouer avant qu'ils ne me conduisent à la mort et qu'ils ne me séparent de toi. Seigneur, que je prenne au sérieux le pouvoir que par le Saint-Esprit tu m'as donné et que tu as donné à mes semblables. Seigneur, donne-moi de comprendre qu'à cause de ton esprit qui m'habite, ils me feront la guerre, mais qu'ils ne me vaincront pas. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.